Salut tout le monde. Alors bah, aujourd'hui on va tester la tour, voir le quotidien de le quotidien juste pour la partie de la tour. Donc dans Dungeon Boss, édité par Big Fish. Alors là je vais juste faire la tour. La tour de guilde pour gagner un peu de diamants. Donc voilà comment ça se présente. Ah bah c'est parti, hein, on va commencer par attaquer. Donc il y a 12 étages. Donc tous les jours, il faut faire les 12 étages pour avoir 300 diamants. J'ai ma petite équipe qui est plutôt résistante et puis qui arrive généralement à le faire en entier sans trop de difficultés. Je commence par ça. Et ensuite, je prends la sorcière. Ensuite, je prends... Ouais. Je vais prendre. Bah, c'est une équipe de nains hein, en fait. Voilà, je vais prendre lui. Et enfin. Lui. C'est parti. Donc elle est pas. Elle est pas extrêmement puissante. Hein, j'ai. Il y a que deux épiques dedans. Et puis. Mon viking, lui, n'est qu'à 5 étoiles. Enfin, à 6 étoiles, elle est cool. Hein. C'est parti. Et hop, étage suivant. Alors, il y a des moments où je peux me faire avoir dans les étages. C'est quand il y a un loup là qui me fait la frayeur. Parce que j'ai deux personnages qui supportent la frayeur, mais j'en ai deux autres qui ne la supportent pas. Et derrière il y a un Masuta. Ça me fait bobo des fois. Mais généralement j'arrive à faire la tour en entier sans problème. Donc il faut savoir que je suis dans une guilde, hein. La Frêne Touche. C'est une super guilde. C'est une vraie petite famille. Tout le monde est sympa. Donc on communique avec l'aigle. L'objectif, c'est un peu exigeant quand même. C'est la guilde qu'il me faut quoi. Ça va, c'est un petit niveau, mais en PVP, c'est vraiment casse-couille. Ah oui, en PVP, je suis une vraie brêle. En même temps, je trouve que c'est mal foutu en PVP. Ils ont fait une mise à jour et du coup, je me fais battre par des niveaux 65. En fait, ce qui fait que le PVP n'est plus intéressant, c'est que on se fie plus vraiment au personnage pour passer les runes. Celui qui a les nouvelles runes, on va l'équiper à fond. Il y arrive. Et même quand on a des bonnes runes, ça suffit pas. Je trouve que le PVP est complètement à refaire. C'est carrément n'importe quoi maintenant le PVP. Avant j'aimais bien ça, maintenant je suis vraiment pour les quêtes. Ou des fois les événements, mais... Sinon le PVP, j'y touche plus de trop parce que c'est vraiment... C'est n'importe quoi. Si, ce qui peut être intéressant, c'est essayer de monter une bonne défense. Et même là, en montant une bonne défense... Oh, on se fait démonter.
Alors, transformer en squelette, toute ma sorcière va pouvoir bon. On va le faire tout de suite parce que ça va pas attendre un tour. Étage 4. C'est parti. Ça fait déjà un moment que je voulais faire une petite vidéo vite fait pour montrer un peu ce que donne la tour. Alors comme tout le monde, j'ai galéré au départ. Dans le début, je faisais une partie ou deux et puis je perdais. J'arrivais jamais à faire la tour en vrai. Et après bah tout s'arrange en fait. Tout s'arrange. On monte. Allez hop, on continue. Ouais, bien, si vous aimez ça, des Dungeon Boss, vous topez un commentaire, des questions, n'hésitez pas. Puis je pourrais vous en faire un peu plus.
bien positionné pour parler de Dragon Ball. Sur ma tablette, je fais d'autres trucs à côté. Avec un peu de réactivité peut-être. C'est normal. Je bricole. Ouais, je dois passer à l'espoir. C'est tout ce que j'aime pas. Allez, croisons les doigts. Alors, voyons ça. Ah oui, ça va être chaud. Mais ça va le faire. Hop. Hop, étage 8. Allez, on continue, on se dépêche.
à sa tienne. Allez, on y est presque, on y est presque. On y est presque. 9. On est parti. Oh non, c'est pas vrai. Mais il est pas mort. Je crois qu'il va pas charger, ça va être dur maintenant qu'il est parti. Ah bah on va faire ça. C'est pas. Ah voilà. C'était sûr. Bon, bah on va s'amuser un petit peu. On va prendre une équipe de gobelins. Hop. Hop. Et lui, nodule. Allez, c'est parti. Sorte de
réduction de dégâts. Leur pouvoir, ils se régénèrent en un rien de temps, donc ils vont me refaire le poison dans 2 secondes. Et en plus ils ont la capacité qui dure vachement longtemps. Aujourd'hui c'est la tour de la matrice. Là, le mode automatique, bah, jusqu'à temps que la massivité. Étage 11. Eh ben, j'aurais bien envie de prendre un petit ego. Ah ben, je vais pouvoir être à l'heure avec tout ça. Voilà, le boss. Voilà, étage 2. Étage 12, bah, j'ai pas besoin de m'embêter. Mode automatique tout le long. Voilà. On y arrive à la fin. C'est fini. Le petit butin. Hop. Dans la boutique, je prends ça à chaque fois.
plus tranquillement. Tranquillement. Voilà. Il va falloir que je finisse mes couronnes. Pour l'instant, on est que cinquième. C'est normal. On va être premier, mais bon. On est cinquième pour l'instant. On va lui donner une couronne pour voir. Donc il me reste encore un petit truc à faire. Normalement, je vais toutes les avoir. Utiliser la compétence d'un héros. Alors la technique pour aller vite, on s'en fout, hein, nous, on s'en fout. Allez, hop. On va rentrer n'importe où. Pas dans un donjon. Ou dans les donjons, on peut pas utiliser un ami. Donc on rentre là-dedans. Allez, 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 on court, on court, on court. Ah. On utilise un héros. Quoi qu'on me dise, retouflé. Non, on va faire plaisir à K. Kaïla, Tuno. On est toujours 5e. On sera premier quand tout le monde aura fait ses quêtes. Hein. Ouais. Pour l'instant, il y a des retardataires. Bon, bah voilà. Voilà tout, bah, j'espère que ça vous a plu. Bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez encore d'autres vidéos sur Dungeon Boss. Et puis, voilà quoi. On se retrouve dans un autre épisode. Si ça vous plaît. Voilà. Bon, bah, si vous en voulez, n'hésitez pas à demander. Ciao.